kotoye a matin koton ti kotoye a matin gagne un virus qui fait rage de yo gagne une maladie qui a tué monde par milliers de yo chaque jour au lever le Seigneur bon santé ça ou ka respirer sans problème ou pas malade avec virus là c'est lever mais on lève pour dire bon Dieu merci c'est pas bon puis bon passer l'autre jour mais c'est parce que grâce la couvre l'ouvrir chant d'espérance au matin hein? Dans 222 français après ça n'a pas 212 le matin ça nous va camper devant le Seigneur pour nous combattre comme des guerriers pour l'église de Dieu de la délivrance nous va combattre matin hein? Ou même qu'il a fait comme si c'est pas comme si nous représentait l'église la petit groupe qu'il a nous représentait toute l'assemblée nous va goumer pour l'église de Dieu de la délivrance au nom de l'Éternel des armées 222 à nous camper ensemble nous va chanter il est une sainte guerre nous va chanter ensemble Oh,
Service d'adoration. Même senti, bu l'église la prend trop de temps. Causer signer ça prend trop de temps. Pas grand rien qui est possible pour bon Dieu nous. Maintenant, mon combat pour l'église de Dieu de la délivrance. C'est pour bon Dieu font bagarre pour nous pour semaine ça pour nous joindre un coup de fil quand même. M'pas connu sur quoi ça matin. Mais ça dérangeait l'esprit, Pam. Ça dérangeait l'esprit, Pam. Nous avons plusieurs jours depuis Napton. Mais coup de fil là pour qu'on passe. Pas de montagne, bon Dieu, pas déplacé. Pas de montagne, bon Dieu, pas déplacé. Je veux quoi ça matin?
La Bible dit nous, Jacques dit nous, la prière de la foi a une grande efficacité. La prière faite avec véhémence a une grande efficacité. Nous suffit assez ça, assez matin, pour nous frapper pour le ciel là, pour le Seigneur ouvrir pour coup de fil la fête semaine ça, pour nous signer un contrat. Tout le monde qui voulait, mettez ensemble avec moi matin. On va aller devant le Seigneur matin. Priez avec une haine, priez avec une colère matin. Pour le Seigneur, dis un mot dans la circonstance. Nous. On nous prie ensemble matin. Seigneur Dieu matin, ça. Nous disons merci. Nous bénissons matin, nous louons. Seigneur matin, ça nous présente devant le roi des rois. Nous présenter devant Sila qui est le Jéhovah Sabaoth. Nous présenter devant l'homme sacré, l'Éternel des armées. L'homme sacré qui pas mangeant avec fret là. Matin ça, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. L'église de Dieu de la délivrance nous vini devant matin. Nous présenter devant, Seigneur. Pas grand rien, bon Dieu, nous en voulons faire pour le parfait. Pas grand rien qu'à bloquer, bon Dieu, nous. Parce que notre Dieu, il est le Tout-Puissant, il est le Roi des rois. Seigneur, matin, ça nous présenter avec requête l'église là-devant. Matin, ça nous présenter avec l'église de Dieu de la délivrance devant. Nous sentis, Dieu trois fois saint. Nous sentis qu'on retard. Nous sentis qu'on retard dans les circonstances pas nous. Nous sentis qu'on retard dans les affaires pas nous. Même Jean les Anne te sentis qu'on retard dans les affaires pas là. Lui te prend montagne la bouli. Lui te prend racaille l'éternel bouli. C'est comme ça, matin, nous sentis qu'on retard pas nous. Nous voulons venir devant l'homme sacré, l'Éternel des armées. La Bible dit nous, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut dans le ciel et sur la terre. Pas grand rien qui est capable de bloquer l'Éternel matin. Père, c'est nous présenter devant ta face. Matin, ça nous présenter devant pour demander agir dans ces circonstances-là. Seigneur, pendant des jours, nous campons dans ton coup de fil pour nous rentrer dans le canard pas nous. Mais nous sentons, semaine passée, une première semaine passée, une deuxième semaine passée, une troisième semaine passée, rien pour qu'on régler. L'Éternel des armées, matin, ça. Nous demandons tant prier, agir dans ces circonstances-là. Seigneur, agis dans ces circonstances par nous. Seigneur, agis dans ces circonstances par nous. Que toute porte de l'enfer qui t'a campé devant nous, Seigneur, que cette porte soit mise en déroute. Parce que nous connaissons un gros bon Dieu. Que toute main qui t'a allongé contre l'église, que toute main qui t'a trempé dans les affaires de l'église, que ces mains soient séchées au nom de Jésus. Parce que quand t'as passé, c'est pour délivrance passée. Quand t'as rentré dans le canard, c'est pour nous rentrer dans le canard, Seigneur. Agis pour nous dans ces circonstances, nous. Agis pour nous dans ces circonstances. Seigneur, nous disons merci matin. Merci matin. Parce que nous avons servi un gros bon Dieu. Nous avons servi un bon Dieu qui est infiniment grand. Mais délivrance dans mon matin. Seigneur, rentrez pour nous, côté nous pas qu'à rentrer. Allez chercher pour nous, côté nous pas qu'à chercher. Allez faire des gars pour nous, côté nous pas capable de faire des gars. Mais matin, nous demandons ton prix. Campez dans le nom de l'église de Dieu de la délivrance. Font bagaille pour nous semaine ça. Font bagay pour nous jodi, font bagay pour nous après-midi, font bagay pour nous matin, hein, parce que nous besoin rentrer dans le canard en panou. Seigneur, nous demandons autant pour camper combattre pour nous, car où tu combattes pour les enfants d'Israël, devant Pharaon, tu combattes pour les enfants d'Israël, où tu mettais au dehors à mes fortes et à bras étendus. Oui, cher Seigneur, où Amasha, à Meriba, où tu bailles ça où tu besoin, où tu bailles Ansa, où tu besoin, devant Jéricho, où tu bailles Josué la victoire. Devant Haï, où te baille Josué la victoire. Dans gros bataille, où baille victoire. Dans petit bataille, où baille victoire. Devant Goliath, où baille David victoire. Pas nous victoire, pas nous en matin. Parce que nous sentis nous tired. Nous bouquet avec situation, ça campé devant nous. Seigneur, toutes mains campées, toutes mains campées, toutes mains à marée. Que l'épée du Saint-Esprit coupé au matin. Nous besoin miracle matin. Délivrance, besoin miracle matin. Pour nous rentrer quand on quitte pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus, matin. 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 Montaillot. Cap des blancs.
Avec cœur bien disposé pour la lecture de la parole de Dieu par notre bien-aimée sœur Myriam Auguste. L'appel de Dieu avec nous. Amen. Disons béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Matin, nous parlons de lecture nous dans Hébreux, chapitre 10, verset 32 à 36. Hébreux 10, verset 32 à 39. Si nous tous jeunes, dit Amen. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, exposé comme un spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui dure toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que Dieu bénisse cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Bonne adoration. Pasteur, j'ai eu tout de suite dans les annonces nécessaires. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Font-y camper sous pied. Béni soit l'Éternel. Alléluia. 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 Loué soit Jésus. Alléluia. Magnifié soit Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Capable chita. Alléluia, c'est cri lou. C'est cri louange nous bien-aimés. Nous crions alléluia les abons. Nous crions alléluia les ababons. Et dans toutes circonstances, alléluia, bah, j'en faillis. Parce que l'or, bah, bon Dieu, gloire, la mettant circonstances, c'est planifier ou à planifier succès. Ou dans des âmes bien-aimés. L'or, bah, bon Dieu, gloire, la mettant quelque bagarre ou pas comprendre,
eh bien, ou bay bon Dieu l'opportunité pour tracer route devant. Nous disons le Seigneur merci, nous bas louange, nous bénissons le Seigneur pour chacun de vous-même qui est là matin. Matin, grand pile monde nous parle non plus. Nous souhaitons ou bien pour la gloire de Dieu, nous bas le Seigneur gloire. Chaque jour, nous rencontrons bien-aimés, nous jouons ensemble, nous considérons comme un privilège. Un privilège. Amen. Et l'on regarde les chiffres, l'on la caillou, comme si vous pas semblé normal. Vous pas semblé normal. Et il y a une personne qui, pour le café bagaille réel, il fait comme si il prend des plaines et puis il servait avec vous comme si c'était un cimetière. Pour chaque grand monde qui mourit, pendant ces circonstances, ils ont planté un petit drapeau blanc. Et puis, ils ont gardé le fil là où est son paquet. Son paquet, il faut qu'il soit avec les yeux, il fait sens, il a gardé les chiffres. Mais bien aimé, chaque chiffre, ça va garder à son famille. C'est un groupe de monde qui est en souffrance. C'est un bagage que nous croyons qui affecte nous tous. Et hier, nous avons un programme côté. Yo dit dans le temps normal et aux États-Unis sur chaque 11 monde et gen youn ladan yo qui au moins qui soit depressed ou bien stressed out. Vous comprenez, sur chaque 11 monde te kon gen yon monde nan kounya nan tap vivre sur chaque 3 monde youn ladan yo depressed. Amen. So c'est-à-dire matin nous ka compter parmi nous combien chaque trois monde gagnent là-dedans qui dit que ça c'est bagage extraordinaire. C'est bon Dieu qui vous fait nous, qui vous fait nous grâce bien-aimée. Pas considérer granted. Est-ce que vous comprenez? Et le fait que bon Dieu couvre, le protège, lui aide les familles en dépit, c'est pas qu'on pas senti chaleur. Nous tous senti chaleur, ça cap pas. Chaleur, ça cap passer. Mais nous croyons, nous prêter la caille bon Dieu. Et faire bon Dieu confiance pour aider nous à traverser pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Nous comptons well, le Seigneur, comme d'habitude, nous avons bien un service de prière nous sous Zoom mardi à 7h, pas mardi, ça m'a dit le nouveau mois, et le nouveau mois en novembre. Non, ça, c'est pour le mois de novembre. Premier mardi dans le mois de novembre, nous avons gagné comme dirigeante, nous avons gagné la sœur Caroline qui a dirigé pour nous. Nous avons demandé le frère Jean-Marie qui a apporté quelques mots de méditation en service de prière. Études bibliques ont continué, excepté si nous avons bagaille, nous rapport fort qu'on est. Sujet assez le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. C'était une très bonne étude. Bien-aimé, nous encourager au second, si ce n'est pas travail ou travail ou bien opportunité, et monter sous l'île et participer ou capable et faire partie de ce là. Nous apprenons des choses ensemble, nous sommes capables d'appliquer au plus bien parce que tout le monde suit même bagaille. Nous encourageons à faire ça pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. C'est avec peine où tu apprends la mort de la sœur Joseph Fils et nous voulons fort connaître d'après l'information nous recevoir funérailles sœur Joseph a fait ce vendredi Capvina à 9h30 du matin. 9h30 du matin, adresse là c'est 100 Broadway. Broadway, c'est grand rue qui est à côté de nous là. Vous comprenez? C'est grand rue qui est à côté de nous là. Alors, sortissez à Highway ou rentrer. C'est sur Broadway qu'on rentre. C'est numéro 100. Dans l'église là, le relais Living Hope Assembly of God. Living Hope Assembly of God. 100 Broadway, Port Hackett, Rhode Island. Nous, au monde qui est capable de payer, j'espère, nous encourageons à faire ça.
OK. Il y a aussi une sorte de mémorial jeudi soir à 7h dans Elmo d'Avenue si vous pas capable aller dans vendredi dans funérailles. Il y a une annonce qui te bail et pour encourager tout le monde, nous connaissons c'était un servant qui parmi nous-mêmes, nous connaissons les situations ça arrivé. Il y a un petit genre difficile pour la famille, pour deal avec toutes les exigences. Ainsi comme l'Église, nous voulons nous mettre la tête ensemble pour nous capables de faire un geste et faire un coup de main à la famille. Et si vous êtes marché prêt pour ça, après le message de la parole de Dieu, vous avez une chance, on va faire ça. Ça pour dire le mettre sous cœur, capable de faire ça pour nous. Supporter une autre et aider la famille ça dans la situation difficile qu'il a traversé. C'est toute annonce que nous avons pour vous. Nous allons passer retourner à serviteur. Il va continuer à la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, nous allons passer dans l'offrande. Nous oublions ça. Et nous avons ce voyant qui a quelques mots à dire. Nous avons ce voyant dans quelques mots à dire avant que nous passions dans l'offrande. La paix bon Dieu avec nous. Nous disons Seigneur merci qui fait nous grâce, qui permet nous capables de la caille malgré nous, ouais, c'est comme si et l'église là en détresse parce que nous pas ouais, mounio en pile moun pas venu. Mais tout de même, nous disons Seigneur merci. Mais raison qui fait me camper là matin, moi camper au nom de l'autre membre comité l'église là. Pour nous annoncer, nous toujours gagné un jour d'appréciation pour les pasteurs le dernier dimanche mois d'octobre. Mais vu avec ces circonstances, nous dit pasteur nous apprécions, nous remets nous croyons toute l'église remets nous. Mais pour Jean nous confèl là. Pour le moment, j'ai une situation où nous pas capable de faire comme ça, parce que si nous faisons, c'est un bagage comme si qui apparaît un petit genre négligent. Donc nous faisons, nous connaissons, nous pas bon exactement qui joue ça à faire, qui moi ça à faire, mais dans le convenable là, nous a fait ça, nous va gagner pour nous apprécier pasteur nous. Alors que ou même qui attendait sous ligne là, que si là yo qui l'assemblée a nous faut qu'on ait date la li reporter nous pas bon exactement qui moi qui joue mais n'a fait quand même alors nous souhaiter que ou capable comprendre ça et moi croire nous toutes qui là moi croire nous remet pasteur nous pasteur l'église remet nous et nous comprendre travail que nous a fait mais moment c'est moment qui paraît comme ça donc nous apprécier ou l'encœur nous apprécions avec prière nous yo mais dans le futur nous capable faire quelque chose de différent que bon Dieu bénisse et comme annonce dans saute bail là nous fait qu'on est tout si gagne un monde qui t'a la caillou qui t'a voulu aider avec ça que t'es écrit là dans ligne groupe là dans chat groupe là. Si toutefois ou pas ta la matin, mon t'attendez nous ou ta vle aider ou capable faire nous connaître soit frère Emmanuel, soit moi-même, soit frère Jean-Marie et donc ou n'ap marché nous va jouer un navin prend li donc pour capable participer la situation ça que bon Dieu bénisse. Nous arrivons à un moment côté que nous allons adorer le Seigneur avec dîme nous ensemble avec offrande nous. Nous rappelons que l'église nous ou même qui là ou capable bailler dîme avec offrande nous ou même tout qui pas là cap garder sur les zones ou capable utiliser cash app ensemble avec zèle pour capable faire ça présenter vos dîmes
et vos offrandes à l'Éternel. Et nous va faire ça à la gloire de Dieu. On nous mettait debout ensemble, nous allons chanter non pas pouvoir, non pas puissance, mais par l'Esprit, dit le Seigneur. Nous va chanter chanson matin. Hein? Fait comme si c'est dans combat ou à goumer pour l'église au matin. Va vrai? À goumer à la gloire de Dieu pour le Seigneur dit un bagage dans ça qu'a fait là pour nous. Va vrai pour dans la caille nous pour grand monde dans notre la caille. Est-ce que tout le monde d'accord? Oh, I love you.
Pas bon Dieu gloire matin. Amen. Pas grand rien qui est possible pour bon Dieu. Des bagages qui te cap prend 20 ans, 10 ans, le Seigneur fait au lan une seconde. Car 1000 ans à ses yeux, tant qu'un jour devant l'Éternel. C'est pour l'Éternel agir dans circonstance délivrance. Si ça pas bon problème, moi même li bon problème. Si ça pas bon problème, moi dis moi même li bon problème. Parce que quand tu as rentré dans Canaan pas non, c'est pour nous rentrer au nom de Jésus. Parle avec le Seigneur, dis le Seigneur ce que tu as besoin pour délivrance la matin. Dans circonstance building nous, dis le Seigneur ce que tu as voulu pour l'église. Second bagage au cas dit le Seigneur pendant quelques minutes. Dis le Seigneur le matin. Parce que faut que nous rentrions dans le Canaan pas nous. En pilouache, comme vous voulez, les nous prie. En pilouache, comme vous voulez, les nous prie. La croix, moi je vais rouler. Les nous prie. Seigneur, même j'en tant de cris Israël là, tant de cris délivrance, même j'en. Même j'en tant de cris Josué, tant de cris délivrance. Même j'en tant de cris les enfants d'Israël après 70 ans, tant de cris délivrance. Même j'en t'ai gonflé pour être ou te mettre au dehors en Égypte à mes foyers à bras étendus. Gonfler point ou même j'en mettez nous dehors matin. Car rien n'est impossible à notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Pas grand rien, bon Dieu, nous n'avons pas capable de faire. L'homme t'a doit penser au cas camper, mais l'Éternel des armées, le Dieu que nous servons, il est un Dieu puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Seigneur, que Jéhovah Sabaoth lui frappe pour nous matin. Que El Shaddai campe pour délivrance matin. Au nom de Jésus. Pendant que serviteur pral parler, que l'onction du ciel repose sous lui. Que la gloire du ciel repose sous lui. Nous ne voulons pas attendre un homme, mais nous voulons attendre Dieu à travers cet homme. Seigneur, merci pour le moment ça. Au nom et par les mérites de ton fils Jésus, nous t'en prions. À lui ce soir, gloire au siècle des siècles. Amen. Bon Dieu bénis nous. Avec le pasteur Jérôme. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous disons le Seigneur merci. Nous sommes capables en présence de nous bénissons chacun de vous, le Seigneur de utiliser, prestime, musicien, chacun de nous qui a participé dans quelque chose, grâce à bon Dieu capable de tomber sur vous-même. Nous venons dans le point pour nous entendre le message de la parole. Nous avons déjà prié et nous avons seulement mis des mains ensemble pour nous recevoir les serviteurs du Seigneur, Pasteur Jean-Christine Auguste, dans le message de la parole. Applaudissez. Paradis. Merci Seigneur. Amen. On dit gloire à Dieu, Père bon Dieu. On dit merci Seigneur. On dit merci Seigneur. On dit à la au grand Seigneur. Dérivez. Voilà au grand Seigneur, voilà au merveilleux Jésus, moi remets au Seigneur, moi remets au Seigneur. Combien de monde qui remet Seigneur là-bas? Combien de monde qui remet Seigneur à la matin? Dans mon bat bravo pour lui, sous remet. Bat bravo pour lui, comme si vous te voyez face à face, et puis vous contemplez sa grandeur, son autorité, son pouvoir, et puis vous bat bravo pour le Tout-Puissant, alléluia, le Seigneur des Seigneurs. Amen, amen, à Dieu soit la gloire. On dit ça, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, amen. Amen, nous on dit Seigneur, merci pour l'opportunité encore qu'elle y accordée à chacun de nous pour nous capables de retrouver nous dans sa présence, côté nous venir pour nous adorer, remercier le Seigneur pour ses bienfaits, ses grâces envers la vie de chacun de nous. Et nous vivons dans une société qui, dans un temps qui est très difficile, frères et sœurs. Très difficile, nous vivons dans un temps. Chaque fois on levé et que ouais, le Seigneur fait grâce, ou entrer ou faire toute activité, ou retourner, ou entrer dans la maison, c'est pour apprendre, dire bon Dieu merci. Apprendre, dire merci, dire Seigneur merci pour ta protection, pour sécurité, que au bon moins, du fait que couvre moins de grâce, ou, que non béni. Alors, frères et sœurs, nous avons aussi besoin de l'aide de Dieu. Et intervention ligne, frère Junior, il t'a prié. C'est comme si esprit moi avec esprit te communiquer. M'a dit matin, nous t'a dû faire une prière pour le bâtiment qui est en question que nous gagnons pour nous acheter. Nous besoin font prière. Et puis le Seigneur t'a motivé en façon ça pour te faire prière. Et moi même pasteur c'est nous qui prend gros bafio les ba yo vini c'est sous nous yo frappé ou par contre l'autre bagaille mais nous croit avec Dieu frères et sœurs nous ferons comment des exploits c'est lui même qui écrasera nos ennemis avec Dieu puisque c'est lui qui a écrasé ennemi ou que doit avoir pas route pour passer ou par contre comment le bra le faire mais le Seigneur qui a fait comment mon ça là. Nous croyons ça au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous disons Seigneur, merci pour tout ça le fait dans la vie nous. Nous saluons tout le monde qui l'a caillé, qui attendait nous dans le moment ça que le Seigneur est capable de bénir. Maintenant, nous te prenons une lecture qui dans le l'épître aux Hébreux, le chapitre 10, nous te prenons une lecture qui est et c'est très court, je pense que ou même qui la caillou capable de suivre ensemble avec nous. D'ailleurs, que ou gen Bible ou la main ouvri. C'est pas seulement pour tendre moins, même d'ailleurs, matin, nous faisons un parcours ensemble dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, pour que nous capables de comprendre. C'est pas ou même seul, frères et sœurs, qui connaît des moments difficiles. C'est pas ou même seul, comme chrétien, qui a passé dans le moment où on a passé là. T'es gagné des frères et sœurs avant nous et qui te gagne des moments qui très 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 difficiles dans la vie qui même vie yo te baille pour l'évangile. Amen.
Même vie au tabac pour l'évangile, j'étais qu'on traversait des moments très nous capables d'ennuyant, très difficiles dans la vie, yo. Mais j'étais fait bon Dieu confiance. Alors matin, nous avons un texte qui devant nous et apôtre qui écrit texte ça, alors l'auteur de l'épître aux Hébreux qui écrit texte ça, l'a dit chrétien, yo, souvenez-vous de ces premiers jours où dans verset 32, chapitre 10, là dit, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Verset 34, là dit, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Et puis le verset 35, là, il dit, n'abandonnons donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Il y a quelqu'un qui dit, vous avez besoin de patience. Amen. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Amen. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et le dernier verset a dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Verset matin, hein, comme nous dit, nous allons parler de lui, c'est surtout et tek message nous a concentré surtout dans verset 36 là. Quand elle dit, car vous avez besoin de persévérance ou bien vous avez besoin de patience. Vous avez besoin de patience car après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. On dit amen, frères et sœurs. On dit amen. Frères et sœurs, l'une des vertus chrétiennes que bon Dieu voulait que nous, chrétiens, nous développions, c'est la patience. Est-ce que nous entendez ça me dire? Je dis, l'une des vertus chrétiennes que le Seigneur Dieu voulait que moi-même avoir nous développer, c'est qui ça? C'est la patience. One of the Christian virtues, I could say, that God wants us to develop is what? Is patience. Patience. Parce que nous avons besoin de patience. Combien de monde a besoin de patience? Combien de monde qui croit que patience est important? Patience est important. Frères et sœurs, il y a en nous cette grande tendance. Nous avons tendance à complaindre. Nous avons tendance à abandonner les bagailles tight. Combien de monde qui commence à me dire là? Les bagailles marées, les nous rentrer dans des périodes difficiles dans la vie, nous, les avons traversé des moments noirs, nous avons tendance à quitter ça, à abandonner. Même vous l'avez dit au matin, hein, la patience, c'est ça que pral fort kembe. Est-ce que vous entendez ça me dire? Je dis patience. C'est une vertu que le Seigneur lui mandé pour nous capables de développer. Je voulais parler Martin sur le besoin de la patience. Amen. Qui ça me dit m'a parlé?
the need of patience. Nous avons parlé de ça matin. Combien de monde qui besoin de patience matin? Amen. Amen. Frères et sœurs, l'épître nous capable de dire des Hébreux, c'est un épître qui auteur là li inconnu. Gen quelques moun qui dit c'est Paul qui écrit texte ça, qui écrit livre ça, gen qui dit c'est Apollos. Gen qui dit c'est Luc, gen qui dit c'est plusieurs moun, mais jusqu'à présent nous connaît que auteur là li écho. Mais c'est pas auteur non auteur qui intéresse nous, mais c'est ça qui en dans package là qui est important pour nous matin. Amen. Package là qui est important. Auteur a li écrit surtout en partie côté nous est là, li écrit texte ça pour capable encourager les chrétiens juifs. Les chrétiens hébreux, ça yo qui t'est dispersé, li encourager yo, li voulait encourager yo pour yo connait la mitan souffrance, la mitan persécution intense que yo tap subi à cause l'évangile, li encourager yo, li écrit pour l'encourager yo. En verset 32 a, li dit yo, souvenez-vous donc de ces premiers jours où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat. Peuple là nous dit que yo tap passé un moment de persécution qui très difficile. Épreuve yo te enflammé, nous ta capable dire li gen en pile là-dedans yo te rivé le moment yo te reculé, yo te découragé, yo abandonné la foi. C'est ça que fait dans Hébreux chapitre 10 verset 25 et serviteur écrit pour dire comme ça sur le verset 25 là, il dit comme ça puis fait qui ça? Puis gayo abandonné là. La foi, en verset 25, on lit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Pendant que Jouyo a avancé, il y a un pile monde, frères et sœurs, à cause difficulté de la vie, à cause circonstance, en ce qui a développé chaque jour, au lieu que vous rapprochez de Dieu, qui ça vous fait, vous abandonnez là. Ils ont abandonné la foi, ils ont même abandonné l'assemblée. Alors, et puis ça a été écrit pour être capable d'encourager les frères et sœurs qui étaient éparpillés pour Dieu. Songez bien. Songez bien. Combien de combats que nous te supportons dès le commencement, comment nous tap marché fermement. Ce n'est pas dans le moment ça, côté que nous arrivons là pour nous abandonner la foi. Parce que le jour qui est pour venir, il est plus près. Nous avons dit que tiens, le livre en samatin, quel que soit quand tu attends, quel que soit où tu es dans la salle là, je voulais dire que le moment, il prend le plus dur toujours. Tant yo prend le plus intense moment, yo prend vraiment terrible, frères et sœurs. Il y a des moments de souffrance, il y a des moments de persécution, l'église capable de connaître. C'est pas pour nous abandonner la foi. Des gens qui voulaient prendre rail, nous sommes capables de dire à cause de circonstances ça, pour eux dire bon, tout le monde comprend, oui, nous comprenons. Mais aussi, le chrétien, ce n'est pas n'importe quel monde qui est. Le chrétien, c'est un monde qui prend une décision, qui prend une résolution pour marcher avec le Seigneur. En dépit et malgré les jours. Amen. Ou sont monde qui prend décision pour marcher avec le Seigneur, quel que soit le jour. Ça veut dire que c'est pas les circonstances qui viennent sur route là, qui pour faire où abandon. Eh bien, chrétien, ça y est, n'a pas les là. C'est la circonstance ça que y a eu, y a un pile là dans y a qui t'est évanoui. Y a pas de vouloir courir la course chrétienne encore. Nous ne pouvons pas courir la course chrétienne. C'est ça nous, les Hébreux, et nous capables de dire, 10 verset 25 ans.
nous voyons que yo te voulait abandonner. L'auteur de l'épître, il y exhorte yo, nous capable dire, il dit yo, c'est peut-être ça souke kon nous. Comme moun ki t'avle souke kon là, ou pa konn wè, gèt mon mon rivo besoin souke kon. Pa ki te fatigue entre dans ou. Pa ki te fatigue entre dans ou, souke kon. Gèt bagay frère et sœur. Gè kèk moment k'ap passé ou capable comprendre fatigue, m'ap parler là, m'ap parler n'importe fatigue non, m'ap parler fatigue de la négligence. Fatigue des circonstances de toutes sortes, pas quitter li maré ou. Réveillez-vous. Pour qu'on ait ou qu'on rendez-vous. Au milieu des épreuves, frères et sœurs, comme nous, moi-même avoir nous besoin qui ça de là pas. Nous besoin patience parce que nous avons tendance à abandonner. Nous avons tendance à négliger les choses spirituelles. Nous avons tendance à quitter ça. Les périodes difficiles yo viennent sous chemin. Frères et sœurs, l'homme par nature, yo nous capable dire, yo risque de sombrer en bas souffrance. L'homme par nature, yo risque les moments difficiles vivir, les souffrances venir, yo faibli, yo tombé. Yo pas capable résister. Bon, la patience c'est un caractère vital qui aide nous à vivre une vie victorieuse. Est-ce que vous entendez ça me dire? La patience qui ça c'est un caractère vital qui capable aider nous à vivre une vie victorieuse. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc chapitre 21, verset 19, il dit nous, par votre persévérance ou par votre patience, vous sauverez vos âmes. Amen. Par patience ou, par persévérance ou, qui sont capables de faire, ou capables de sauver la vie. Maintenant, frères et sœurs, nous devons parler de patience. Le mot grec dans le texte là qui traduit par patience, c'est hypomone. Hypomone. Hypomone, li traduit, li mine trois bagailles. He means three things. This Greek word means three things. Hypomone. Li di volonté pour endurer. Patience. Hypomone, c'est la volonté pour endurer. Deuxièmement, c'est volonté pour attendre. Troisièmement, c'est volonté pour demeurer. Are you there with me? Di patience qu'elle a parlé là, persévérance, c'est volonté pour endurer. Endurer quoi? Endurer les afflictions, les épreuves, les moments difficiles. Lorsque chrétien, faut connaître que moment difficile qu'a vini. Lorsque chrétien, faut connaître que la vie pas toujours facile. Lorsque chrétien, c'est pour comprendre ou embrasser une course ou dans une lutte. C'est pour apprendre pour capable endurer épreuve. C'est pour ça que le texte dit nous, vous avez enduré un grand combat quoi d'affliction, d'épreuves de toutes sortes. Frères et sœurs, parfois Dieu permet aux épreuves de nous envahir. Dieu, bon Dieu quitte épreuve, vient sous chemin. Combien de monde qui croit ça matin? D'où, bon Dieu, parfois, il fait qui ça? Il quitte épreuve, vient sous chemin nous. C'est pas tout en épreuve, c'est Satan voyel.
C'est pas tout temps épreuve. C'est Dieu qui permet moi-même avoir nous passer dans le chemin ça pour louer nous. Pour connait qui moun que nous y est. Nous la patience. C'est la volonté d'endurer qui ça les afflictions, d'endurer qui ça des épreuves. Dieu qui t'est patient, nous capable dire épreuve une sous ou nous pour modeler nous, pour former nous. Combien moun a qui t'a remé formé par Dieu? Combien moun a qui t'a remé modelé par Dieu? Même tout, il y a des formes ou besoin prend, il y a des formes mon Dieu veut mettre bah où faut passer par épreuve. Est-ce qu'on l'a passé? Il y a des formes mon Dieu veut les bam, il y a des formes mon Dieu veut les bao, faut passer par épreuve. Frères et sœurs, bam dou, où est l'aura qui paraît bien belle? Là yo prend, yo mettel l'an yon un miroir et pour regarder, ou dit waouh, li brille. Mais l'aura pas toujours comme ça. L'aura, li subit des épreuves pour le capable arriver Jean Wellier. Là, yon prend la terre, li tout sale. Son petit bout de fer, yon yon. Mais pour l'eau est capable de salir, c'est pour le d'accord, pour le passer en bas du feu. Combien de monde qui a aimé briller là? Combien de monde qui a aimé l'or? Qui a brillé? Pour capable de arriver. Sort à souhaiter, ça le Seigneur, attendez ou, faut passer par des épreuves. Faut passer par des moments difficiles. Et c'est chaque fois qu'on parle contre qui moun, mon Dieu. On dit Amen. À travers la tribulation, frères et sœurs, moi-même avant, nous vîmes mûrs, nous vîmes bon caractère de Dieu. À travers les épreuves. Épreuves fait nous connaître qui moun, mon Dieu. D'ailleurs, on regarde dans Jacques, chapitre 1er, pour ça, Jacques dit serviteur Lio. Jacques, chapitre 1er. Jacques dit nous, dans chapitre 1er, dans verset 2, Jacques dit mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être expo. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? Produit quoi? La patience. Et ça, il dit là, oui. L'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. C'est-à-dire que le chrétien, ce n'est pas un monde qui accepte le Seigneur. Et puis avec gros ventre, la mangé du riz, la mangé poule, la boue toute journée. Et puis il a un bon travail, il a une belle machine. Et puis il a fonctionné. Et puis tout bagarre allait bien. Et puis c'est la vie chrétienne ça. Bon, l'autre révèle la vie chrétienne, frères et sœurs. Bon temps. Des tribulations, gontant des preuves, gontant pour que vous soyez capable d'éprouver dans la vie. Ou. Gontant. Mais personne ne peut le passer par tout ça. Depuis un moment d'épreuve, un moment de difficulté, des soucis de toutes sortes qui envahissent, oh, laissez-moi abandonner, laissez-moi quitter, frère, c'est prier pour moi, m'entraver, ou bien mon nom, lui abandonner la foi. D'où, songez bien, patience en grec, qui c'est, hupomone, c'est volonté d'endurer. Volonté, ça veut dire que d'accord pour me passer par moment ça, parce que je connais la vie chrétienne, c'est une partie, ça m'a passé là-dedans, il y a une partie là-dedans. Amen. C'est volonté dans Dieu. Si vous êtes chrétien tout bon, vous n'êtes pas capable de prier pour ça, pour prier pour une vie sans épreuve. Non, c'est pour dire Seigneur, bam grâce. Amen. Bonne grâce
pour me capable, pour me fortifier, pour me capable soutenir, pour me surmonter les épreuves de la vie. Amen. Pour me surmonter les épreuves, bonne grâce Seigneur, bonne force Seigneur, bonne assez de vigueur pour me pas sombrer. Les épreuves sont venues. Job 23, verset 10. Job dit parole ça. Il sait, la parole du Seigneur Jésus, Dieu. Il dit, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Combien de monde là qui a dit parole ça? Le Seigneur connaît qu'il en chemin va passer. Et s'il t'a éprouvé ou pas failli, ou pas tombé la route, mais ou pas sorti pur comme de l'or. Combien de monde qui a dit ça? Ou bien l'ami t'a éprouvé yo? Ou laissé bail? Donc, c'est endurer les afflictions. Endurer les épreuves. Vous promenez, c'est volonté d'endurer les épreuves, d'endurer les afflictions, mais aussi c'est volonté d'endurer les reproches. D'endurer les reproches. Comment on a enduring the reproaches? Est-ce que ou quoi que c'est tout le monde qui est capable d'endurer les reproches? Il y a des gens qui tout le monde qui ont fait, qui ont parlé bien de yo. Ils ont parlé de bons bagages, de belles histoires, ils ont parlé de la vie. Yo. Mais même tout, chrétien, ça y est, qui n'a pas parlé là, serviteur dans le livre hébreu, serviteur qui écrit, il fait connaître, c'est pour yo avoir courage, pour yo capable d'endurer les reproches. Les reproches. Les gens après reproché ou pour bagay ou pas connaît ou bien les gens ou kembe dans Christ et moun sa yo et Abdou moun sa yo qui moun yo est là son man moun égaré et pour konnen ou pas égaré ou connaît qui les soit défendre qui soit défendre mais malgré tout y a passé au nan risible. Le monde, les croyants, frères et sœurs, ils n'ont pas qu'à comprendre le mode de vie des croyants. Ils n'ont pas qu'à comprendre. Moi-même, avant, nous t'as supposé mais non vivre vraiment pour que le monde ne comprenne pas. C'est ça le Seigneur a demandé. Mais chrétiens, ça y est dès lors, c'est vie ça y est à vivre. Y est à vivre une vie quand le monde est croyant. Y a pas qu'à comprendre les gens de vie qui a vivre là. Et puis qui ça y est fait, y a pas reproché yo, y a méprisé yo. C'est endurer d'accord pour souffrir pour Dieu, souffrir pour la vie chrétienne, pour la vie chrétienne, pour ça y est pas contre mon Dieu. La vie chrétienne, nous capable dire la voie chrétienne, c'était nous capable dire une vie, une voie insensée, une monde qui pas comme ça l'a fait. Qui un monde d'accord pour choisir une vie comme ça, une vie pour contour, une vie côté toute journée ou en prière, toute journée ou à chercher bon Dieu et puis tandis que la vie monde qui vivre d'ailleurs a fait son pour yo. C'est un scandale. Ma konnen ki jan zan moun yo ou bien ki jan moun autour de ou constater la vie ou avec yo, est-ce que yo ka fait différence? Parce que époque ça moun ki t'a observé chrétien yo, yo te ka fait différence. Et puisque yo te ka fait tellement différence, maintenant ki sa yo fait yo porter reproche à chrétien yo, à partir jan yo t'a vivre. Je dis, ou tellement mêlé avec le monde, pas de monde qui veut faire, pas de monde qui capote, parce que ou même Jacques.
nous prend nous al même côté qui yo, nous participer le même bagage, nous baï menti même ya qui yo. Juste pour que ti avantage. Mais chrétien ça yo. Yo t'es d'accord. Pour yo souffrir. Pour yo endurer des reproches. Frères et sœurs, gen là-dedans yo qui tellement d'accord pour te endurer des reproches. Gen là-dedans yo te lapidé. Gen là-dedans yo te d'accord pour scier yo. Gen là-dedans yo qui t'a couru par-ci par-là. Yo pas de place pour habiter. Yo te habité dans désert. C'est pour mouton, c'est pour chèvre qui te fait rad, qui te mette sous yo. Ces gens de vie ça, yo t'ap vive. Comment on ka comprendre pour chrétien, pour selon atmosphère pareil que wap vive. Tandis que le Dieu tout puissant qui bon Dieu là, li ka fait toute bagaille. Gen quelques moments frères et sœurs, faut passer par le désert. Gen quelques moments frères et sœurs, faut passer par les épreuves. Gen quelques moments frères et sœurs, faut d'accord pour passer chemin ça. Li peut-être pas facile, li son chemin très difficile, mais puisque c'est Seigneur qui permet qu'on passe là-dedans, ou à passer par là. Par la foi avec patience qu'on croit que bon Dieu li konn sa l'a fait, l'a prétire là-dedans. Amen. Nous croyons, frères et sœurs, c'est un monde qui est prêt à affronter et à subir, nous capables de dire, des reproches et des persécutions pour l'amour de Jésus-Christ. Combien de monde qui croit ça? Pour l'amour de l'évangile. Nous d'accord, ce n'est pas parce que nous pas contre, nous égarés, nous pas comprendre ce qu'a fait. Nous pieds égarés comme tout, parce que tout le monde, mais nous comprenons ce qu'a fait, mais nous d'accord pour nous subir, nous d'accord pour nous endurer des moments d'épreuve, pour nous d'accord pour nous passer, pour nous faire nous des reproches. Pour l'amour de l'évangile. Pour l'amour de l'évangile. Amen. Nous dit ce mot grec, hypomone, qui signifie patience, persévérance, endurance, d'abord volonté pour nous endurer, volonté pour nous endurer quoi? Les épreuves, pour nous endurer, on est capable de dire, les persécutions, et aussi volonté pour nous capables et endurer, nous capables de dire des reproches, mais aussi, hypomone, c'est aussi la patience. La volonté pour nous attendre, pour nous tendre, bon Dieu. Volonté pour nous tendre. Tendre, bon Dieu. Même dans la persécution, frères et sœurs, il y a un avantage beaucoup de là. Et puis, ou tu es capable de passer le chemin ça pour passer là-dedans, qui picoute pour sauter là-dedans. Ou tu es capable de faire, oui. Mais les gens qui chrétiens tout bon, hein, patience fait le temps, bon Dieu. On dit amen. Patience, faut attendre, bon Dieu. Patience, pas fort. Bon, il y a quelques bagages où tu es capable de faire pour sortir là-dedans. Pour dire que non, c'est mon tout. Bon, nous sommes créatures, bon Dieu, tout. Nous avons droit tout. Nous avons droit le pays, même avant. Nous avons fait tout le bagage, même avant. Mais chrétien, c'est un monde qui tend, bon Dieu, l'a passé par des moments difficile. C'est comme si son monde qui pas réclamé doile. Wow. Donc, patience, c'est la volonté d'attendre. Tant qu'il laisse, n'a pas bon. Tant bon Dieu. Parce que la Bible nous dit, notre Seigneur dit, à moi la vengeance et à moi qui ça? La rétribution. C'est moi-même qui gagne droit pour me venger. C'est moi-même qui gagne droit pour me faire qui ça? Pour me faire qui ça? Pour me rétribuer, pour me récompenser. Frères et sœurs,
as Christian, we are commanded by the Lord not to take revenge or get even. En pile nous là, t'as aimé venger, pas vrai? Ou bien get even with those that are too bad to us. Mais le Seigneur dit nous non, à moi l'avant, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça veut dire moi-même avoir, nous devons tendre bon, nous devons tendre bon Dieu, nous devons tendre bon Dieu, nous devons tendre bon Dieu qui va dans la paix. La patience, ça veut dire, le Seigneur mande nous pour nous prier pour ça yo qui a fait nous du mal. C'est pas ça? C'est pas ça la Bible dit nous? Priez pour ça yo qui a fait nous du mal. Dans Matthieu chapitre 5, verset 44, nous jouons Jésus qui même qui fait déclaration, c'est à partir du verset 23, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et pas ça, et ça te qu'on dit. Mais le verset 44 là, il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. N'aimons comprendre. C'est facile pour nous capables de répéter ces belles paroles. C'est son déclaration du Dieu à se répéter. Mais n'aimons comprendre là où on a persécuté. Là, il y a un monde, tout côté viré, c'est mal livré ouais, pour vous. Et puis, li la la jingo, 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 tout le temps. Et puis maintenant, où jouez nous ouais, pour capable dit la velle. Le Seigneur dit, no way. No way. C'est pas job ou ça. Job ça appartient à qui laisse? À moi-même, job ou c'est fait qui ça? C'est prier pour lui. Pour le cas changer. It is not a good thing. Let n'a pas tant de bon Dieu, frères et sœurs. Quelques fois, ou a tant de bon Dieu, persécution arrêtée. Presque trois quarts vie ou li prend. Persécution en l'al pav le départ. Placé. Mais ou a tant de bon. Il dit remède mion. Béni moun sa yo ki maudit ou. Faites bien à moun sa ou qui haï ou. Priez pour moun sa ou qui a maltraité ou et qui a persécuté ou. C'est ça l'évangile là. Dans Romains 12, le verset 20, Paul dit parole ça aussi. Il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui qui ça? À manger. Si la soif, donne-lui un. Hein? Il dit, quand on agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ça, sur sa tête. Ça veut dire que moi-même avec frères et sœurs, nous appelons pour nous quitter l'évangile briller dans la vie nous. Nous appelons pour nous, à travers toute trajectoire la vie nous, pour que moun ka wè Jésus-Christ dans nous. Nous pas gagner une seconde pour nous penser du mal à qui que ce soit. Job nous, c'est penser du bien à tout le monde. Quel que soit mon nom, même ça yo qui parle ouais nous. Ça yo qui fait nous du mal. Pour qui ça? Nous prier pour que volonté bon Dieu faite. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui prend combat pour nous. C'est pas ça? Le Seigneur te dit peuple là, c'est pour nous faire qui ça? Rete ainsi en silence parce que moi-même m'a combat pour combien moun ki t'a voulu essayer combat pour yo la matin combien moun ki t'a voulu tendre bon Dieu matin combien moun ki gen patience assez pour le tendre bon Dieu malgré circonstances malgré moment la passé malgré péripétie malgré chemin noir malgré persécution malgré moun pa ka comprendre li et puis li vle tendre bon Dieu li vle tendre bon Dieu. Il y a pile dans nous là qui forcé passer. Nous forcé passer. Et puis l'en quoi ne passer vrai, le Seigneur pas avec nous. Mais si nous t'attendons, bon Dieu. Combien de gens que bon Dieu a un temps pour chaque monde là? Bon Dieu a un temps pour chaque bagaille. Bon Dieu a un temps pour chaque bagaille.
C'est pour nous tendre, bon Dieu. Pour qui ça nous besoin tendre, bon Dieu? Nous besoin tendre, bon Dieu, parce que c'est lui-même qui a récompensé nous. Amen. Est-ce que vous avez ça me dit? Dis-nous, nous besoin tendre, bon Dieu, pour qui ça? Parce que c'est lui-même qui a récompensé. Regardez verset 34 à 35 là pour ça le dit dans le texte là. Verset 34 à 35 là. Puisque si, puisque c'est bon Dieu, nous tendre bon Dieu, c'est parce que c'est seulement lui-même qui a récompensé. Le verset 34 là dit, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. Ça veut dire, moun ki chrétien, c'est pas un moun qui a goumé pour bagaille la terre. Il dit, verset 35 là, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Oh, là, ça veut dire que c'est bon Dieu qui a récompensé. Est-ce que vous entendez ça? C'est le Seigneur, la foi qu'on mettait dans le monde, ou pas égaré. C'est pas égaré. C'est parce qu'on connaît tout ça où est mon abat pour la caparer, pour la prendre sur la terre, comme si la prend avantage sur vous, la passer en bas, ou bien sortir de l'égale, sans pour un titan, bagay ça y est. Il n'y a pas duré pour longtemps. Au contraire, quittez le plan. Pas venger Jacques. Pas venger. Pour qui ça? Parce que nous appelons frères et sœurs pour nous capables d'utiliser bien matériel nous yo, bien tout ça bon Dieu bon nous pour nous aider l'autre monde. Parce que récompense nous, c'est le bon Dieu qu'elle est. Dans Hébreu, le chapitre 6, le verset 10, nous lit texte ça, quand elle dit. Hébreu, chapitre 6, verset 10, nous lit texte ça, quand elle dit. Combien de monde qui connaît? Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son en rendant des services au Saint. Ça veut dire que bon Dieu pas injuste pour oublier le travail. C'est un Dieu qui toujours prend note de ça qu'on a fait pour lui. C'est nous sur la terre. Ma frère, c'est ce qu'on a vivre dans un temps qui est extrêmement difficile. L'évangile doit prêcher à travers la vie nous. L'évangile doit prêcher à travers la position que nous prenons pour bon Dieu. Nous devons tendre, bon Dieu. Nous devons tendre, bon Dieu, parce que c'est lui-même qui récompense. Nous devons tendre, bon Dieu, parce que c'est lui-même qui récompense nous. Nous devons tendre, bon Dieu, parce que c'est lui-même qui nous est capable de dire qu'il réponse nous. C'est lui qui réponse nous. Combien de monde qui croit que c'est le Seigneur qui réponse là? Amen. Quelquefois, frères et sœurs, on va prier. Prier, c'est comme si vous tombez dans vos oreilles, moun soud. Ou prier, c'est comme si ciel la vine tourne yon erin. Ou pas, prier, pas guéré. Bamdou, pas jamais quoi ça. Sous son moun kap marche avec bon Dieu, vrai tout bon. Et que la vie ou li en règle avec bon Dieu, prier, yon gen réponse. Ce n'est pas tout en prière ou font prière et c'est même côté où on peut jouer une réponse pour lui. Il y a quelques prières qu'on fait, c'est le Seigneur dit où, c'est pour tendre, c'est pour apprendre tant de mots. Tant de bon Dieu. Tant de lui. Parce que le moment de délivrance, il n'y a pas encore. Il y a tout bagaille fait dans le temps, frères et sœurs, selon la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'il y a un samedi? Je suis dans le samedi. Tout bagaille fait qui ça? L'entendre selon la volonté de Dieu. Pas moi, bon Dieu, il a une volonté pour la vie. Il a une volonté pour la vie. Ce n'est pas parce qu'on va parler en pile ou bien on va faire ceci. Et puis c'est ça que pour le faire, bon Dieu agit.
bon Dieu gen volonté. C'est pour nous d'accord, pour nous accepter volontairement. Mais frères et sœurs, il y a aussi des moments que moi-même avec nous avons besoin de lutter avec Dieu. Comment vous dites ça me dit là? Il y a des moments où nous devons faire comme Jacob. Amen. Il y a des moments où nous devons faire comme Jacob pour lutter avec Dieu, pour nous dire, Seigneur, je ne peux pas quitter ou aller, son pas bénim. Il y a quelques moments comme ça, oui. Et pas tout le temps. Et quelques moments, là où est son ennemi qui campait sous vous, et puis qui voulait prendre bénédiction, et puis comment vous campez à la brèche, vous dites Seigneur, pape quitter ou aller sans qu'on ne pas béni. Ou pas béni. Pour prendre bénédiction que bon Dieu baille. C'est pour nous lutter avec. Pas avec tête nous seulement, c'est pour nous lutter avec Dieu. Dans la prière. Dans la prière. En attendant patiemment, capable de la délivrance que le Seigneur est capable de voir pour nous. Amen. Amen. Amen, frères et sœurs. Est-ce que l'air est bon? L'air est bon, hein? Amen. 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 Thank God you give me time to. Hein? I get what? I get 5 minutes? Amen. Amen. Nous dit que nous devons tendre bon Dieu. Nous devons tendre bon Dieu. Tendre bon Dieu pour plusieurs bagailles. Nous besoin tendre bon Dieu. Combien de monde qui est d'accord pour tendre bon Dieu là? Nous devons tendre bon Dieu parce que c'est bon Dieu nous dit qui a vengé pour nous. Et pas vrai? Nous devons tendre bon Dieu parce que bon Dieu a vengé pour nous. Parce que le parent là qui nous l'envoie. Nous devons tendre bon Dieu parce que c'est bon Dieu qui récompense. Récompense-nous. Et aussi, nous devons tendre bon Dieu parce que c'est bon Dieu qui réponse nous. Amen. 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 Et nous devons tendre bon Dieu. Nous devons tendre son retour prochain. Tendre. Texte l'a dit dans ça. Celui qui doit venir vient et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par là. Comme les gens qui veulent vivre par la foi là. N'attendent le retour prochain de notre Seigneur Jésus. Mais il dit, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Moun sa qui attend mon Dieu, son moun qui croit que chaque jour levé, il lève le ciel vers mon taille là. Il dit Seigneur, quand ce coup m'a sorti, moi connais ce coup m'a sorti, bon côté ou même seul qui vers ciel la terre. Et puis, nan mis ta tête chargée, il connaît, il songe que le bon rendez-vous. Rendez-vous, c'est avec le ciel, l'attend, l'imminent et glorieux retour de son sauveur. L'attend. L'attendre avec la foi, avec patience. L'attendre le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Frères et sœurs, le texte l'a dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont qui ça? La foi pour faire qui ça? Pour sauver leur âme, pour sauver leur âme. Combien de monde là qui quittait le monde? Combien de monde là qui quittait les choses d'ici bas? Qui embrassait le royaume de Dieu? Qui embrassait l'évangile? Mais avec une vision. Une vision qui ça? Une vision que y a tant, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour qui pas comme les autres. Ils attendent le retour prochain de leur sauveur. Combien de monde là? Depuis où tu as confessé foi ou tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, mais maintenant, ou prends une décision, ou dit la vie d'ici, m'a vivre, c'est vrai, m'a marché, pendant m'a vivre, m'a tout le monde, même gagne un bagage, même gagne une vision qui est différente de tout l'autre monde. Vision, c'est où est sauveur maintenant, un jour. Vision là, c'est lorsque la trompette du ciel, lorsque le sonnait, et m'a gon oreille pour m'tendre, et laisse ça.
m'a un privilège pour zèle pour seul en homme pour mal rencontrer sauveur dans la gloire. Nous pas monde qui retire nous dans mon nom et puis pour nous font type groupe et puis pour nous faire politique pour... non nous c'est monde qui retire nous dans monde ça qui mettait nous à part pour nous faire qui ça pour servir bon Dieu pour marcher avec Christ pour nous tendre le retour prochain de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Matin, pendant un an, moisson, je demande de patience là-dedans. Je demande de patience pour endurer. Je demande de patience pour kembe. Je demande de patience pour tendre. Je demande de patience pour demeurer. Pour demeurer, pour rester là, malgré persécution, pour pas quitter rien. Pour te aller. Mais pour Dieu, vous êtes fixé sur maître. Parce que jouer pas facile, frère et soeur. Jouer m'dou yo pas li papa. Jouer très difficile. Mais si vous quittez Dieu sous Seigneur, la bonne force, la bonne courage pour échapper à toute bagaille qui t'a dû venir dans mon nom. Et pour capable de paraître devant votre Sauveur. Dans la gloire. Que le Seigneur bénisse au matin. Que l'ouvre les yeux pour comprendre que tant que nous vivons là, ce n'est pas un temps facile. Mais c'est un temps qui est très difficile. Un temps qui est très difficile. Nous avons besoin de toute grâce, bon Dieu. Mais grâce, bon Dieu, là. Mais nous même faut intelligent pour comprendre que ce n'est pas pas bon Dieu. Ou ces affaires, bon Dieu. Bon Dieu a quitté au passé par des moments. Même si tu as mouru là-dedans, ça n'a pas dit rien. Parce que ça ou ça ou quoi ça, tu vis ça, son petit moment lié. Mais il y a l'éternité qui campait devant. Amen. L'éternité qui campait devant. Qui campait devant. Son titan a passé. Et nous ne pouvons pas demain si le Seigneur t'apprend. Ou pas contre pour qui ça le prend. Lui prend notre soeur. Nous ne comptons pas pour qui ça le prend. Mais seulement toute gloire nous dit c'est pour bon. C'est pour mon Dieu. Nous ne connaissons pas. Il y a monde qui a tombé. Nous ne connaissons pas un frère ou une soeur. Ou même, moi-même, nous n'importe pas dans nous qui a tombé. Puisque nous en bas grâce, mon Dieu, nous en bas abri, Seigneur. Là, nous tombons toutefois, nous tombons nous dans la volonté, mon Dieu. Connais ça. Ou dans la volonté, mon Dieu. Puisque dans la volonté, mon Dieu, quel que soit sacrifié. C'est pour dire gloire à que le Seigneur béni, qu'elle fasse grâce pour embrasser l'évangile avec tout aspect qu'elle gagne là-dedans. Le Seigneur capable d'aider pour capable servir davantage. Que bon Dieu béni. Amen. La paix à vous. Gloire à Dieu. Nous disons Seigneur merci pour ces mots d'encouragement. La vie chrétienne n'est pas une vie de laurier seulement, mais il y a une souffrance. Patience n'est pas facile, mais si c'est la volonté de Dieu, n'a pas enduré parce que résultat yo, c'est des bons résultats. On va mettre debout. Nous allons chanter un couplet dans 133 en français, chant d'espérance, soit sans alarme et sans frayeur. Pendant ce temps, vous-même qui êtes disposé, qui avez mis quelque chose à part, je demande à tout le monde pour faire ça suivant. Le Seigneur mette ça sur le cœur. C'est une nécessité. Et parmi nous-mêmes, on va avancer. Nous demander, côté frère Jean-Marie, qu'on peut avancer avec un panier pour nous-mêmes. Suivant, le Seigneur bénit. Et si vous dans l'impossibilité pour faire ça, le Seigneur connaît tout. Le Seigneur connaît bonne volonté. Sois sans alarme, sans frayeur. Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père, ton Sauveur. Dieu prendra soin. Soin de toi dans le chemin.
soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Dans les jours de l'adversité, je prendrai soin de toi. Lorsque pour toi tout est danger, je prendrai soin de toi. Je prendrai soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Ne crains donc pas le lendemain, Dieu prendra soin de toi. Pas à pas t'amènes sa main, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia. À nous prier le Seigneur, à nous remercier. Nous remercier chaque monde qui te fait le geste. Qui est capable de bénir. Nous ne connaissons pas. Rien qu'au rien, tout le monde, c'est longtemps difficile, mais nous croyons, ça n'a pas empêché que nous ayons été frères avec sœurs, et nous avons sensibilité et compassion l'un pour l'autre. À nous, à côté du Seigneur, remercier pour le message de la parole ici, aussi pour le privilège d'être ensemble, pour nous en présence. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous bénissons pour grâce que tu as accordé, nous encore matin, nous sommes ensemble. Seigneur, ou ne pas quitter nous seuls, en dépit des difficultés et présence sous, Seigneur Dieu, parmi nous-mêmes. Parole, Seigneur Dieu, Seigneur, et rappelez-nous, Seigneur Dieu, que vous êtes Dieu dans toutes circonstances, où c'est Dieu, Seigneur Dieu, ou même dans l'adversité, tu es le Dieu de tout le temps. Seigneur, nous te remercions, matin, ou renseignez-nous concernant persévérance, patience, Seigneur Dieu, dans l'épreuve, ô notre Dieu, ô banon, l'illustration de l'or, si l'or a sauté, li parité dans du feu, li pas capable de prendre brillance, li pas capable de venir, gen valeur qu'elle t'a doué gagner. Fais-nous grâce, Seigneur Dieu, pour nous comprendre ces choses. Et Seigneur Dieu, pour nous mettre en pratique. Aidez-nous, Seigneur Dieu, banon force dans les temps difficiles, Seigneur. Pour nous pas gagner d'autres pensées qui montent en tête nous, pour nous pas penser à autre chose, sinon pour nous faire confiance. Ou même Jean Job, il était fort confiance, même l'entend, bagaille, il pas comprendre, mais il te connaît, ou son Dieu qui est fidèle, et il te démontre ça à la fin. Seigneur, bénis l'église, ou même peuple en mer, ou même chaque bien-aimé, ou te fait grâce, qui était en présence ce matin, nous demandons jeter grâce et faveur, continuer. Couvrir, Seigneur Dieu, avec protection et faveur. Oh, Papa, étonne, Seigneur Dieu, grâce sur chacun de nous. Et famille aussi, qui dans le deuil, oh notre Dieu, la famille fils, nous demandons toucher, nous demandons réconforter, nous demandons bailler aux forces, Seigneur Dieu, pour être capable de traverser ce moment, Seigneur Dieu, dans tant d'épreuves, ça. Papa, bénis l'église, bénis famille, bénis chacun de nous, notre Dieu. Oh, permettre que les yeux nous, Seigneur Dieu, espérance nous, Seigneur Dieu, capable de rester sur vous-même, en dépit et malgré tout, et nous croyons, Seigneur Dieu, c'est vous-même qui gagne le dernier mot. Père, nous bénissons, nous exaltons, et nous remettons les journées à la main, couvrir nos prières, dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous dès à présent et pour l'éternité. Amen. Maranatha.
Et Seigneur vous bénisse. Bon Dieu bénisse. Bless you.